Let's do it, then. Yo, it's hell on earth down here, the pavement scorching. It's more a rock when the mall walks in. Shit get hot like an ill pot of grit spilled on you. Au collège, en quatrième, je faisais du théâtre. Et j'ai une copine aussi qui faisait du théâtre avec moi. Et elle a fait un téléfilm. Donc tout de suite, je me suis dit, moi je voulais travailler, je voulais gagner ma vie tôt. Et quand je venais faire du théâtre, je me dis, tiens, l'acteur, ça doit être bien. Et cette copine qui a fait un téléfilm, je lui ai dit, c'est quoi ton agent? Elle m'a passé l'adresse de son agence, je suis allé m'inscrire à l'agence, ils m'ont pris. Ils m'ont fait faire un an de casting. Ça n'a jamais marché. Quand t'arrives déjà, t'es pas à l'aise. Ils te mettent moins à l'aise. Ils te disent, bah alors c'est quoi que tu fais là? C'est quoi que tu es en train de jouer? Toi t'es là, bah, je sais pas, hop. Tu ressors, ils te disent, on va t'appeler. T'attends ton coup de téléphone toute la semaine, y a rien. Donc ça commence à m'énerver qu'il n'y a rien pendant un an. Donc là, je me suis dit, c'est pas pour moi, tant pis. Et puis là, on m'a repéré dans la rue. Là, par exemple, on a vu plusieurs filles. Et puis, il y en a une, elle est rentrée dedans, quoi. C'est elle qui va faire le film, quoi. Parce que quand elle est, si tu veux, elle est dans, elle donne des émotions qui sont vraies tout le temps, quoi. Elle n'est pas dans le jeu. Mm-hmm. Donc du coup, si tu veux, quand tu la vois, t'as l'impression que c'est la vérité, quoi. Que c'est vrai. Que c'est pas quelqu'un qui est en train de faire ce que tu imagines sur un autiste par exemple, c'est super dur. Si t'as quelqu'un qui fait genre l'autiste et qui y croit pas, ton film il est mort. C'était différent de tous les autres castings. Déjà, première rencontre, je devais pleurer. Hop, tu m'as dit pleure. Moi, je savais pas pleurer. Tu m'as dit je pleurerai pas. Je vais pas pleurer, ça fait depuis longtemps que j'ai arrêté de pleurer. Mon grand frère il m'a dit faut plus que tu pleures depuis longtemps. Et puis, en fait, au bout d'une heure et demie, tu m'as fait pleurer. Je devais taper sur un canapé. Je me rappelle plus trop, il y a plein de trucs. Mais d'abord, je me rappelle, je devais taper sur un canapé. Et puis, ça a monté. Et puis après, c'est venu. Je sais pas, c'est venu. Après, on a fait une impro, après ça. Mais je suis ressorti, j'étais vidé, quoi. Je suis ressorti du casting, j'ai jamais vécu un casting comme ça. Là, je me suis dit, OK. D'accord, le cinéma. Elle aurait pu se tuer, Joseph. Moi, je me rappelle, c'était quand même Strass Paillette pour moi avant de te rencontrer, le cinéma, tout ça. Puis après, c'est clair, en te rencontrant, tu m'as montré c'est quoi vraiment le cinéma. Et puis, voilà, j'ai vu que c'était du travail. Vous voulez que je reste? Non, c'est bon, Jamel, merci. Si vous me séparez, je me tue! Tu te tues? Et après? Il a besoin de moi. Plus rien quand je suis pas là. Même plus. Elle aurait pu se tuer. Yeah.
Après, tout le travail qu'on a fait, en fait, ça a consisté à t'apprendre un peu des fondamentaux, plus pour ton existence propre que pour apprendre à devenir un acteur ou des trucs qui allaient te servir toute ta vie. C'est-à-dire te donner confiance en toi, te permettre de communiquer avec les autres en ayant confiance dans les autres, c'est-à-dire au bout d'un moment de pouvoir échanger en toute confiance. Donc te redonner la confiance que tu avais un peu perdue dans le monde adulte et dans le monde extérieur, on va dire. Travailler sur la concentration, sur l'écoute, etc. Donc on a fait en fait plein de jeux. Déjà avec la respiration, quand on devait faire la fleur, quand on se réveillait, on devait faire une fleur. Ça c'était avec le maître Buteau. Ça c'était avec le maître Buteau. On a marqué ça. Ça c'était bizarre. Il y avait plein de trucs. Attends, voilà. Je me rappelle, il a dit, vous êtes une fleur. Vous naissez, vous grandissez, puis vous mourrez. Allez-y. Voilà. Allez-y. Alors toi, t'es là. C'est... Ok. Vu qu'il y a des choses que je devais jouer qui étaient des trucs que moi-même j'avais connus, j'avais juste à les remettre. Mais du coup, ça me faisait penser à plein de trucs de ma vie. Donc du coup, c'est un peu aussi... comment dire... Mais c'est vrai que ça te fait remémorer plein de choses, du coup. C'est dur, hein. Puis en même temps, c'est comme si ça te faisait un travail sur toi-même. Enfin... Après, les choses, elles deviennent moins dures pour toi. Les choses que tu as vécues et tout. Vu que tu t'en sers pour jouer avec, d'un coup, ça devient un autre truc, quoi. C'est une force, quoi, on va dire. Ça te donne un truc. Et pour moi, ça, c'est la naissance de l'acteur. Et c'est pour ça que... C'est ça qui m'a fasciné, si tu veux, c'est de voir cette éclosion. Et comme la fleur du Buteau, tu vois. C'est, voilà, j'ai vu, en effet, une fleur naître, se développer. Et grandir comme ça devant mes yeux, et j'ai eu la chance de pouvoir filmer ça. Ça a été une chance pour moi. Vraiment, de toi et d'Adèle, de ce que vous m'avez donné. Chloé. Reste un peu ici, le temps que tu guérisses. T'as juste fait la piscine pour moi. Et puis sinon, tant pis. On cherchera partout. On finira bien par les trouver. Tu t'impliques tellement dans la scène que tu dois jouer, t'es tellement en adéquation avec le personnage que tu interprètes à ce moment-là, que d'un coup, il y a une magie qui s'opère. Tu vois, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la grâce pour moi. Et comme c'est ça qui, moi, m'intéresse au cinéma, c'est ça que je vais chercher à révéler chez l'acteur. Donc je vais essayer de lui donner la liberté, le plus de liberté possible, pour qu'il puisse justement me donner ces instants de qui sont pour moi le cinéma pur. Tu vois, la vérité. Voilà. Qui d'un coup sont quelque chose qui transcende, tu vois, le cinéma professionnel tel qu'on le voit, ou tu vois, qui montre l'intériorité d'un être humain. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Pas venir tout de suite. Alors tu dois te débrouiller toute seule. Toute seule. Je dois manger. Mange. Mange. Je dois manger. Je viendrai te chercher. Je te promets. Je te promets, Chloé. Bientôt, je viendrai. Bientôt. Alors, il faut que tu manges. Mange. Mange. Allez, mange. T'as pas le droit de me laisser. T'as pas le droit. Pas le droit. T'as pas le droit. À des moments, tu vis tellement la scène que tu vas faire, déjà à l'avance, quoi, tu la vis déjà dans ta tête à l'avance. Et du coup, il y a des trucs, il y a des scènes, ça te fait super flipper, t'as pas envie d'y aller. Et ça se sent, quoi, tu vois, c'est pas un truc... Bah, genre, comme la scène de la pendaison dans Les Diables. Voilà, j'allais dire cette scène-là, sur la scène de la pendaison, par exemple. Déjà, j'ai peur, je vais mourir, tu sais, psychologiquement, quoi, tellement je suis dans le truc, je vais mourir. Ah!
Après, d'ailleurs, j'ai fait un cauchemar quand j'ai fini le film. Ah bon ? J'ai fait un cauchemar, je croyais que tout ce qu'on avait fait, c'était la répète. Tu vois, il fallait tout refaire. Et je voulais pas refaire de film après les jobs, c'est vrai. Hein. Tout de suite après, je voulais plus refaire de film. Ça m'a mis du temps. Et au bout d'un an, je commençais à me dire, putain, tiens, ça me manque, les tournages, tout ça. Et là, j'ai fait le premier truc qui est venu, le téléfilm. La classe du brevet. Ça allait très, très vite, c'est la télé. Donc je me rappelle, par exemple, il y avait une scène où je devais pleurer. Toi, tu nous mettais 5 minutes, 10 minutes avant dans une, en condition. Hop, tu montais dans les larmes, tout ça. Lui, non. Il me faisait rien, personne ne me disait rien. C'était une scène, je devais être dans le lit, en train de pleurer. Alors, ils m'ont mis dans le lit, hop, ils étaient en train de préparer leur caméra, tout ça. Après, j'entends le moteur. Hop, putain, ils m'ont même pas concentré, rien. Et tout, là, je me mets dans le truc, mon coussin. Là, je me sors tout, essayer de tout sortir. Je me retourne, j'ai pas trop les larmes. Deuxième prise, hop, j'ai pu ressortir les larmes. Mais si, ils te laissent pas le temps, tu vois. Donc ça va, là, j'ai réussi à le faire. Mais il y a des moments où tu peux pas réussir. Ou quand il y a des gens, ils sortent des blagues dans l'équipe, juste avant le moteur. Avec ça sort des vannes, tout ça, tu te concentres, t'essaies de... T'arrives pas, t'entends des trucs. Bah ça, c'est la différence sur certains films. Quand j'arrive sur un plateau ou n'importe lequel, je me mets dans cet état un peu. Comme ça, je suis bien concentré et tout ça, et puis après, j'y vais un peu comme je sens le truc. Je connais mon texte, tout ça, et puis ouais, ça vient comme ça vient, quoi. Mais d'abord, je me mets dans un état de concentration. Voilà, comme tu nous as appris, quoi. Tu nous mets en condition. Et ça, tu sens que ça t'aide, que ça te protège ? Ouais, ça me fait oublier tout le reste, déjà. Tout le reste et tout, j'évite. Bon, des fois, c'est un peu dur, parce que, comme je sais, il y a des vannes ou des trucs. Mais c'est vrai que ça m'aide... Ça... J'arrive souvent à oublier tout ça, quoi. Et puis après, je suis que dans mon truc à penser à... Bon, alors ça, comment faut je vais le faire, tac, ça. C'est que ça, que ça. Et puis après, une fois que ça y va, j'oublie tout. Et j'y vais, quand même. Maximum. Je suis arrivé sur Narcos. J'avais seulement 15 jours. Donc voilà, c'était pas beaucoup. Et puis j'ai fait sur 3 mois en plus. Donc j'y allais un jour. Après, bon, je connaissais, j'ai quand même vite fait connu l'équipe. Même si j'avais pas beaucoup de jours. À chaque fois que j'arrivais, je disais, alors, tout le monde, je connaissais tous et tout. C'était bien. L'ambiance, c'est vrai que j'étais un peu plus seul quand même. De toute façon, c'est toujours pareil, vu que je suis jeune sur un tournage, que je suis entouré avec des adultes. Je suis un peu seul. Et puis il y avait beaucoup d'acteurs connus. Beaucoup d'acteurs connus. C'est vrai, il y en avait beaucoup. Guillaume Canet, Zabou Breitman, Jean-Pierre Cassel, Benoît Poulvor. Il y avait même Marlon Cotillard. Mais elle avait un petit truc. François Berléand. Il y en avait plein. Et donc voilà, j'étais pas trop à l'aise. Moi, parmi tous ces gens, donc j'ai dû faire ma petite place. Ce qui était chiant, c'est par exemple, j'ai attendu toute la journée pour un plan sur moi et qu'à l'arrivée, ils le font pas, par exemple. Ça, c'était des trucs, et voilà. Tu te dis, ok, tu t'en fous de moi, c'est bon. C'est vrai que t'as l'impression d'être une petite merde. Like a river flows, surely. See, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. Je me préparais tout ça pour rencontrer Vanessa. Paradis, hop. Et un samedi, je l'ai rencontré. J'avais déjà bossé ma scène avec Serge. J'étais prêt, on va dire. Et puis après, j'ai fait ma scène avec Vanessa. C'était toute une journée. On a fait plusieurs scènes. Et à la fin de la journée, Vanessa, elle a dit, tu peux lui dire c'est bon, Vincent. Elle a dit à Serge, tu peux lui dire c'est bon. Serge, il m'a dit, c'est bon, tu fais le film. Et voilà, après, j'ai fait mon manche. Je me disais, ou je leur disais, non, mais c'est trop un gamin, ça marchera pas dans le film, c'est pas ça le rôle. Mais je sentais qu'il venait inexorablement, quoi. «
Il est là. Il faut qu'on s'en aille. Viens. J'ai un ami, ta maman. Viens. Faut que tu me prennes ce qu'elle t'a donné. La clé, elle est où? Quelle clé? J'en sais rien. Elle est où? Pourquoi tu la touches? Dis où elle est maintenant. Pourquoi tu la touches? Elle est où, cette putain de clé? Mais arrête, arrête! Dans le, mon ange, quand je vois ma mère qui est morte sur un brancard, cette scène, je pleure et tout, mais après, j'ai mis peut-être un quart d'heure, je suis allé tout seul et tout. Je continue à pleurer, tout ça, mais... après, je suis ressorti 10 minutes, après. Parce que là, j'étais allé bien loin aussi. Après, pour un petit temps, ça dépend. Avec qui, tu vois, avec toi, je me rappelle, je sortais. Pourtant, j'allais bien loin aussi, je sortais direct. Vanessa lui disait souvent, tu te mets dans des états trop seconds. C'est un film, faut pas que tu souffres, etc., etc. Alors qu'elle a des façons de souffrir différentes pour un film. Mais je sais qu'elle te l'a dit plusieurs fois, non? Ouais. Parce qu'elle souffrait de le voir dans quelques moments du film où c'était douloureux pour le personnage, donc pour Vincent Affaire. Elle, ça lui faisait mal à elle de penser qu'il souffrait autant que le mec à qui ça arrivait. Vanessa me disait, Vincent, c'est du cinéma. Tu vois? Parce que moi, j'y allais à fond. Et ça, pour elle, c'est du cinéma. Et moi, pour moi, quand il y avait un truc, c'était comme si c'était pour de vrai. Alors, j'y allais à fond. Et elle m'a dit, c'est du cinéma. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai compris sur ce film. Sur d'autres. Mais quand tu commences avec un film comme Les Diables, tu vois, c'est pas ça, cinéma. Tu te dis, non, il faut vraiment être dans le truc et tout. En fait, c'est du cinéma. Si tu veux pleurer, on peut te mettre de l'oignon. Tu vois, c'est des trucs genre, tu commences à comprendre qu'il y a des acteurs, tu crois, ils sont super bons, qu'en fait, ils arrivent, on leur demande vite fait des petits trucs et c'est bon, quoi. Mais j'ai peur, moi, que ces trucs-là, c'est, justement, ça fasse de moi l'acteur technique, tu vois. Et puis qu'il donne plus rien, enfin, qu'il soit, comment dire, qu'il se regarde tout le temps jouer, tous les trucs qu'il fait. Comment dire? La représentation. Ouais, voilà. Moi, en fait, est-ce que c'était vraiment moi que tu voulais pour le film? Parce que j'ai l'impression que c'était pas moi que tu voulais. Non, en fait, et qu'on t'a obligé à... On m'a obligé parce qu'on m'a dit, si c'est pas Vincent, on fait pas le film. Donc tu fais comme tu veux, mais sinon tu rentres chez toi. Et donc c'est ce qu'on appelle une obligation. Donc mais, voilà. Non, mais je le voulais pas. Non, mais ce que je peux dire, en fait, parce que lui souhaitait une bonne carrière et tout, c'est un peu con. Moi, ce que je peux dire, c'est meilleur. C'est que quand on a fait le film, il avait 17 ans, j'en avais un peu plus, mais bizarrement, j'ai eu l'impression qu'il m'a plus appris que moi, j'ai pu lui apprendre. Faut qu'on parte maintenant. Si tu veux. Si tu veux, t'as qu'à fermer la porte. Et moi, si tu veux, je vais demander à un autre. Un qui a pas de train à prendre. Je lui dirai que c'est pressé. Qu'il faut qu'il vienne tout de suite. Qu'il y a quelqu'un qui appelle au secours. Que je sais pas comment faire. Peut-être qu'il n'y a qu'à faire comme si j'étais un autre. Comme si j'avais été me chercher et que j'étais arrivé en courant. C'est même à cause de ça, parce que j'ai couru, que j'ai le cœur qui tape. C'est pas du tout parce que j'ai peur. Toi non plus, t'as pas peur. Si tu fermes la porte, peut-être ça pourrait ressembler un peu. Tout petit peu.
s'arrête pas de taper. Tu crois que c'est normal? Je crois qu'il faut qu'on s'en aille. Donc après Mon Ange, il y a eu La Maison de Nina. Richard Nabo, il me disait pas trop de choses. Je me rappelle même qu'un jour, il y a une scène. Il vient deux jours après la scène, il me dit « Tu vois, là, tu me donnes de la poussière d'or. Moi, je veux de la poussière de diamant. » Je fais « Mais enfin, me le dire sur le moment, tu vois. C'est pas deux jours après, t'arrives, c'est trop tard. » Puis il me disait jamais rien, tu vois. Puis, donc moi, j'allais tout seul dans mes trucs. Et il vient me dire ça. Bon. Mais en même temps, ça m'a fait cogiter et tout, ce qu'il m'a dit. Du coup, peut-être qu'après, en fait, finalement, je suis arrivé et c'est encore mieux, je sais pas. Parce que ça m'a fait poser plein de questions. Mais, voilà. Il m'a déstabilisé, tu sais. De toute façon, tu te remets toujours en question. Par rapport à l'histoire, le fait c'est de jouer... Voilà, par exemple, voilà. Là, dans le film, il pense que son père est mort. Moi, mon père, il est décédé aussi. Et en fait, là, c'est sa mère qui est décédée. Moi, pour moi, ça me faisait un truc... ça me parlait déjà, ça. Et parce que lui, dès le début, il croit que son père est mort. Donc ça, pour moi, c'est un truc que je sais ce que c'est. Hop, j'arrivais. Après, c'était en fait sa mère. Donc là, ça me fait un autre truc. C'est, comment dire? Enfin, tu te doutes pas, tu dis pas qu'est-ce que je vais devoir faire. Non, mais tu t'as rien besoin de faire, tu sais. C'est toi, t'as déjà vécu ça. T'as rien besoin de faire, quoi. T'as juste à te mettre dans l'état voilà. Émotionnel, quoi. C'est tout. Qu'est-ce que... Puis après, de jouer un enfant déporté, pas déporté, caché. Mais j'aurais préféré jouer un enfant déporté, ça. Ah bon? Ouais, j'aurais préféré. Pourquoi? Mais en fait, je dis ça, mais quand j'ai lu le scénario, j'ai voulu Gabriel. Il m'a dit, ça tombe bien, le réalisateur, parce qu'on voyait pour Gabriel. Parce que moi, c'est l'histoire du père et tout ça, donc ça me paraît que je voyais cette histoire-là pour moi. Mais en fait, un enfant déporté, c'était un plus... pour moi, c'était plus dur, quoi, plus... Tu vois, de se sentir un enfant. Tu sais, c'est comme si t'avais été dans les camps, tu dis, j'allais dans les camps, je vais jouer ça. De toute façon, tous les films avec les enfants qui ont des vies, une vie dure quand ils sont enfants, une enfance gâchée, quoi. Ça m'intéresse, tous ces rôles. Parler de tout ça. De jouer un rôle comme ça. Faut que je n'en dise plus. D'accord. C'est clair que jouer un petit bourge, ça m'intéresse moins, tu vois. Tu te sens moins proche, en tout cas. Voilà, je me sens moins proche que de jouer un petit... sans faire le mec qui a eu une enfance gâchée non plus. Non, ils ont eu pire, mais quand même, tu vois. Dit, c'est des choses que je peux aller chercher. C'est avec les diables, tu vois, que j'ai compris ça. Vu que c'est ce que j'ai fait pour les diables. Et j'ai vu que c'est comme ça qu'on bosse vraiment. Quand on sort nos trucs, hein, enfin les vrais trucs, quoi. Des émotions qui sont proches, quoi. Voilà. T'aimes pas tricher, en fait, toi. Ouais, voilà, j'aime pas. Et c'est ça. Faire semblant et tout. Mais je vois qu'on nous demande des fois sur des trucs de faire semblant, donc tu le fais. Ben, je préfère quand c'est vraiment vrai, quoi. J'ai vu Les Diables, j'avais vachement envie de Vincent. Voilà. Il y avait un autre film que j'avais vu et qui m'avait, qui m'avait plu. Et puis Vincent, il était un peu dans Sweet 16 de Ken Loach. Voilà. Et je trouvais que bah, Ken Loach, il filme magnifiquement les adolescents. Et je trouvais qu'il y avait un truc qui répondait avec Les Diables, quoi. Enfin, et que Vincent correspondait à ça. Et j'avais une autre idée de jeune qui était absolument pas comme Vincent. C'était peut-être le contraire de Vincent, c'était un film qui s'appelle Warzone de Tim Ross, où il y a un jeune adolescent qui a... Enfin, je sais pas, il y a un peu la même brutalité dans le jeu, la même truc comme ça, mais c'était pas du tout un jeune adolescent comme ça, avec une belle gueule comme dans Sweet 16. C'était vraiment le type beaucoup plus renfermé, avec des boutons, enfin voilà, en pleine période ingrate de l'adolescence. Alors, parle un peu de la rencontre avec Eric Caravaca. C'est une belle rencontre aussi. Ouais. Eric aussi, il est cool.
T'as envie, voilà, tu sens que tu peux donner, tu peux leur faire confiance. Que voilà. Et puis lui, il était vraiment à fond dans son film, ça sent. Tu vois. Ça sent. Je vais pas dire ceux qui sont pas à fond, tu vois. Lui, ça se voit, il voulait faire un film qui lui tenait à cœur. Qui venait sort des tripes, ça se voit. Donc là, t'as envie de tout donner, tu vois. Et d'être l'allié, tu vois. C'est ce qui s'est passé avec Eric. Vincent, c'est un acteur, c'est un homme pudique. Et la pudeur, je trouve que c'est super. Mais c'est beaucoup plus difficile de faire sortir les choses avec quelqu'un de pudique. En même temps, quand elles sortent, elles sont... Il y a l'antagonisme nécessaire qui fait que c'est très beau pour moi. Parce que quelqu'un qui pleure, je veux dire, voilà, tu dis à un acteur de pleurer, un mec qui pleure facilement, il pleure, et puis t'as envie de lui tendre un mouchoir, et, tu vois, c'est vrai. Elle le sait. Jeanne, elle le sait. Non. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse de faire ça, c'est pas droit, t'es pas droit. Putain, c'est pas droit. Lâche-moi. Lâche-moi, cette putain. Lâche-moi. Arrête. Lâche-moi. Arrête. Mais arrête, Lucas. Lucas. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi. Tu vas me dire ce qui se passe. Laisse-moi, je te dis. T'arrêtes maintenant. Mais tu comprends rien. Tu crois qu'il est là pourquoi, Thomas? Depuis le début, il nous a menti. Char est mort. C'est son frère. Eric, il m'a dit, je te demande pas de jouer. Je veux pas que tu joues. Ouais, je veux pas que tu joues. On me dit ça, essaye de comprendre ça, tu vois. Je veux pas que tu joues, d'accord, mais je dois quand même penser que là, faut que je me mette là. Je dois dire ça comme ça. C'est quoi pas jouer, tu vois. Tu sais, il y a plein de trucs, ça t'embrouille, tu sais plus. C'est d'accord, mais je fais quoi? Tu vis le truc, en fait, ça doit être ça, sûrement, mais même, tu peux pas vivre les trucs, forcément. Tu peux certains trucs les vivre, c'est vrai. Mais t'es obligé de penser que là, il faut que tu fasses ça. Enfin, ça veut dire, en fait, remonter la roue de ma mobylette, tu vois. Tu peux faire... T'es obligé de penser, quoi, qu'il y ait une caméra, qu'il y ait une équipe. Tu peux pas faire n'importe quoi ou vivre ton truc, quoi. Moi, tu me dis, par exemple, tiens, là, faut que tu mettes la droite au gars, évite ton truc, tu joues pas, d'accord. Bah, je vais pas lui mettre une main à droite, tu vois. Faut que tu te retiennes. Ou quand on dit de courir à fond, qu'en fait, faut que tu cours pas du tout à fond. C'est des trucs, faut surjouer un petit peu. Ou quand je parlais de la mobylette, parce que je pense à ça quand je dis ça. Une fois, je m'en rappelle, il me disait, Vincent, force plus quand tu fais ta mobylette. Bah, faut savoir, tu me demandes de vivre le truc ou pas. Parce que moi, le truc, j'avais pas besoin de forcer comme un malade pour le visser. Je fais comme ça, je le visse, tu vois. Il voulait, non, parce qu'à l'image, faut forcer pour qu'on voit bien que tu vois, les trucs, ça te paraît pas naturel. Pour moi, c'est être naturel quand tu me dis pas jouer. Ce qui était bizarre, c'était de jouer avec lui. Parce que je savais que c'était le réalisateur. Et des fois, je le voyais nous regarder, en fait, quand on était ensemble dans une scène. Je voyais que des fois, je lui disais que je devais me retourner pour dire la phrase à lui. Et je voyais qu'il me regardait jouer presque, enfin, tu vois. Ça te fait penser... tu penses à tiens, on est en train de me regarder jouer, donc du coup, ça te sort un tout petit peu de ton jeu, tac. Mais ouais, c'est des trucs, ça prend un millième de seconde, genre, tu vois, tu penses ça vite fait, tu vois. Après, tu lâches pas. C'est une antiquité, ton truc. C'est Richard, le copain de Jeanne, qui me l'avait offert. Une nuit, j'arrivais pas à dormir, ça me travaillait. Alors j'ai pensé à ce magnéto, j'ai commencé à tout enregistrer dans la salle du café. Il y a du souffle, hein, c'est pas très bonne qualité. C'est toujours mieux que le bourdonnement que j'ai là-dedans. J'ai plein de cassettes maintenant. T'enregistres quoi? Un peu tout. Surtout les clients. Mais ce qui était bien aussi, c'est qu'il faisait que, à la fin des prises, on pouvait improviser un petit peu. Donc, des fois, il obtenait des trucs vraiment sincères. Par exemple, à un moment dans le film, il me dit brigand, comme ça. C'était pas écrit.
Et moi, j'ai fait un gros rire. Ah, je rigole. Je fais un vrai rire, tu vois. Là, c'était moi, vraiment. Brigand. Quand je dis, en fait, être moi, c'est quand je me pose pas la question. Mais... du jeu. Voilà. C'est clair, ça vient direct. Je me suis même pas posé, tiens, je vais faire ça avant, tu vois. Et donc ça, c'était bien avec Eric, parce qu'il y a plein de moments vrais, tu vois, dans le film. Le moment où on est au restaurant chinois, tous les deux, où on mange aussi, j'avais fait tourner aussi la caméra sans, en faisant des répètes, etc. C'était une prise qui était... Tu vois, et voilà, et ça, par exemple, c'est ses résistances. Quand on va dans le sourire, quand on va dans le rire, quand on va dans la joie, quelque chose comme ça, c'est ses résistances à lui. La difficulté, je trouve, pour quelqu'un qui le dirige, c'est ça, c'est de lui donner suffisamment confiance pour se permettre d'aller là-dedans. T'en as pas profité pour voir ta copine ce soir? Elle devait peut-être venir, mais je l'ai pas vu. Elle ressemble à quoi? Une grande brune. Avec un nez assez particulier. Mais moi, j'aime bien. Elle a un menton qui remonte. Elle a les cheveux courts. Et elle met souvent un bonnet. Et surtout, elle a un beau sourire. Enfin, je la trouve belle. Et c'est toi qui l'as draguée? Ouais. On va toujours apprendre une sortie ensemble. Ouais, le travail. Sa concentration, elle est très forte à Vincent, avant. Enfin, mais elle est forte aussi, enfin, quasiment tout le temps. Enfin, disons que c'est un bon allié, quoi. C'est vrai qu'il est très concentré. Je me souviens de la scène où il pleurait, où tu pleurais sur le lit, là, quand il tombe sur la lettre. C'était super. Et la manière dont on est allé se concentrer là tous les deux quand même. Là, en tant que réalisateur, tu pousses la technique, quoi. Il y a des scènes où je vais être derrière la caméra juste pour dire la réplique. Moi, je vais la donner à fond, je vais me remettre dans l'état que j'étais. Si j'étais en train de pleurer, je vais repleurer même si je suis pas devant la caméra pour donner tout à l'autre. Et ça va l'aider, ça va faire qu'il va sortir des choses. Alors que Thomas, ils s'en foutent, ils arrivent et ils se mettent derrière, ils disent le texte comme ça. Presque ils le disent, ils se trompent, tu vois. T'es là, t'as ton plan sur toi, l'autre il s'en fout en face. C'est quoi pour toi vraiment le métier d'acteur? C'est de se mettre dans une autre vie. Tu pars sur un tournage. Dans ta tête, t'es un personnage. Et puis tu vis avec lui dans ta tête, tu vois. C'est-à-dire, des fois, tiens, lui il ferait ça. Tiens, ouais, il ferait ça, ça. Il ferait pas ce que je suis en train de faire. Ça plutôt, tu vois, c'est ça en fait, t'as une autre personnalité qui rentre en toi en fait. Est-ce que ça a un impact sur ta propre vie? C'est-à-dire tous ces personnages, toutes ces rencontres, est-ce que tu sens que ça t'apprend des choses sur la vie que tu saurais pas sinon? Bah du coup, c'est un peu aussi des fois, tu sais pas comment être vraiment, tu vois. Toi-même, t'as vu plein d'autres vies, t'as été dans d'autres visions de la vie, quoi, on va dire. Tu vois pas les choses de la même manière quand tu joues un personnage, un autre, tu dis comment voir les choses, tu vois. Il y a tellement de façons de voir les choses. Bah du coup, t'es encore plus ouvert, enfin, tu comprends plus le monde, ou je sais pas, c'est... Comment dire, hein, t'es plus ouvert, tu vois. T'es pas dans un seul truc, t'es pas... Vu que t'as vécu, enfin pas vécu, mais... C'est un peu ça, t'as vécu d'autres vies, quoi. Donc tu vois... C'est plus ouvert. C'est fondamental pour toi, un regard extérieur qui te dise tu peux faire mieux ou ça c'est super bien. C'est sûr, tout seul tu peux pas savoir. Sinon tu te regardes jouer quand tu... Mais il y a des fois je me regarde jouer, tu vois. C'est dur. Et tu sens ça? Ouais, je sens. Que t'es pas dedans? Ouais, je sens. Mais même ça, tu te dis, à l'arrivée, les gens, ils vont aimer, ça se peut, tu vois. C'est ça qui est... Donc tu sais pas, il n'y a pas de recette, tu sais pas ce qu'il faut faire. Faut te laisser guider, quoi, tu vois. Tu t'es déjà retrouvé dans la position où la peur est tellement grande que t'arrives plus à jouer, que t'es obligé de t'arrêter pendant un moment, de te retrouver un peu? Ouais, des fois, c'est arrivé où je pleure direct, quand même. Enfin, tu vois, ça m'a mis les nerfs et tout, j'ai les larmes, je me mets tout seul. Ça m'énerve, je sais pas, je sens pas le truc, j'arrive pas à le jouer. Et puis là, on me dit, ils sont speed, ils me disent, allez, il faut y aller et tout, t'inquiète pas, tout le monde dit, t'inquiète pas, tu vas être bon et tout. Mais toi, tu sais que tu sens pas le truc, là, c'est là tout de suite que tu vas le faire, mais tu te sens pas prêt et tout.
Et là, tout le monde est là, mais non, t'inquiète, ça va aller. Tu vois, toi, tu sais pas si ça va aller. Et t'arrives, tu fais ton truc, t'as l'impression d'avoir fait n'importe comment, et puis tout le monde te dit, ah, c'était génial, et tout. Toi, t'es là, ok. Ah, si, c'était génial, alors. Pas de problème. Mais voilà, c'est pour ça que tu relativises, parce que tout le monde trouve ça génial. Donc t'es content, tu te dis, bon. Et en fait, t'as l'impression que tout le monde te prend pour un con, tu vois, tout le monde te ment et que t'as fait de la grosse merde, mais que les gens, ils sont gentils avec toi, quoi. Voilà. Donc du coup, t'es perdu, je sais plus. Est-ce que ça, t'as peur, justement, de te perdre là-dedans? Et si tu te retrouves... D'avoir un doute sur les gens, s'ils sont sincères ou pas, ben, bien sûr que j'ai peur. Parce que j'ai l'impression que plus ça va et plus les gens, ils sont moins sincères avec moi, tu vois. J'avoue, depuis le film avec Vanessa, ça a changé beaucoup de trucs, déjà. Dans le regard des autres. Bah ouais. Tu vois, tu sens ça. Ça fait... C'est... Tu vois. Et ça te blesse, ça te fait mal, ça te... Ouais, ça, j'aime pas, ça. Ouais, parce que tu sens que c'est fou, quoi. On en revient à l'importance d'avoir un regard d'un cinéaste sur le plateau qui te permet de te protéger un peu de tout ça, te dire au moins, il faut que je fasse confiance à toi. De me dire la vérité, voilà. De me dire si ce que je fais, c'est bien vraiment, tout ça. Ça, c'est obligé que j'ai besoin de ça, sinon je sais pas. Et si j'ai ça, bah là, c'est bien, c'est top, tu vois. Je vais essayer des choses, proposer plusieurs choses, tu vois, je vais pouvoir aller plus loin, j'aurai pas peur, tu vois. C'est tout une question de se sentir en confiance ou pas, quoi. Passons à livre trésor, donc. T'as pris les maniements d'armes, par exemple, des choses comme ça? Non, j'ai pas. J'ai pas d'armes. J'ai juste les mains. Non, j'ai pas appris. Mais des petites chorégraphes de cascade. Une petite, vite fait. J'ai un mec qui est sur... donc je saute sur le gars, je l'attrape par derrière. Comme ça, je fais comme ça. J'essaie de l'étrangler, après on tourne un peu et on traverse une palissade. Bam, on explose la palissade, on roule un petit peu. Bon, là, il y avait une doublure. Et après, il y a le mec qui est sur moi, je suis toujours comme ça, lui, il est sur moi. Et là, il sort son flingue, hop. Il essaye de me mettre, il fait clac, il n'y a pas de balle qui sort. Après, je vois, il y a un autre mec qui arrive, donc vite, le mec, je le mets sur moi. L'autre mec en face, il tire, bam, l'autre, il se prend la balle. Moi, après, je prends le pistolet, hop, je le jette sur l'autre en face. Tu vois, c'est de l'action. Là, c'est une chorégraphie. Sinon, ouais. C'est bien, ça. Ouais, c'était bien. Mais même le truc du mât, là, où il y avait des câbles à certaines prises, j'étais sur le mât. Bon, je pouvais pas trop me faire mal, c'était pas trop haut, tu vois. Mais à l'arrivée, j'arrive et il y a l'eau en dessous. Je pouvais tomber. Bon, bah, je l'ai fait sans fil et tout, je l'ai fait nickel. Okay. Donc ça, tu vas voir dans le film, tu verras Jim Hawkins qui fait l'équilibre, mais je l'ai vraiment fait, tu vois. Alors, c'est des trucs comme ça qui est bien. Tu vas revenir à peine une semaine à Paris et tu repars sur un autre film dans un monde complètement différent de l'île au trésor. Mmh. Là, je pars à la guerre. Là c'est fini l'aventure, là, c'est la guerre. C'est l'aventure aussi, mais dans une autre sorte d'aventure. Bah, là, je pense qu'ils vont me raser les cheveux. Déjà, ça va me mettre direct dans un autre délire. Ennemi intime. Benoît Magimel, Albert Dupontel, c'est un film sur la guerre d'Algérie. Réalisé par Florent Emilio Siri. Il n'y a pas pire ennemi que soi-même. Voilà, c'est la première phrase que tu vois. Et moi, je fais un jeune Français qui est appelé pour aller à la guerre d'Algérie. Donc, ils nous ont passé des documentaires à regarder. T'aimes ça, ce travail de préparation d'un personnage? Qui ouais. Va te conduire à mieux comprendre un personnage. Ouais, en plus, t'apprends plus de choses dans la vie, quoi. Donc, ça, j'aime bien le faire. Au contraire, c'est ce que je demande, tu vois. J'aimerais bien faire comme Robert Niro, qui a fait, pour Taxi Driver, il a fait Taximan pendant 3 ou 4 mois, je sais pas, avant le film. Faire des trucs comme ça, j'aime bien. C'est ce que j'aimerais surtout faire.
que d'arriver, voilà, et on me demande juste de faire la colère ou de, tu vois, vraiment de préparer, tu vois. Pendant ce temps, j'ai pas vraiment eu encore ça. Un rôle, tu joues un schizophrène, tu vois, tu vas avoir plein de schizo, des recherches, ouais, tu vas vivre des trucs. Là, c'est vraiment intéressant. Là t'es vraiment, tu vois, tu vis une autre vie, tu vois. J'aimerais bien faire un film un peu à la Jackie Chan où je tape des trucs. Ça, j'aimerais bien faire une bonne film, un bon film d'action, tu vois. Non, je ferais plein de trucs, des pistolets, des trucs. je m'amuserais bien. Et puis après, des vrais films, tu vois, intimes presque, où vraiment t'as des vraiment, ça va loin dans le jeu de l'acteur, tu vois. Mais aussi faire, tu vois, les deux, quoi. Pas un seul truc, faire tout, quoi. Comédie, aventure, triste, dramatique, action, pas action, tout. Ouais. Puis on m'a parlé de, genre, beaucoup me dit Marlon Brando, je pense à Marlon Brando et tout. Donc là, j'ai des trucs avec Marlon Brando, je regarde des trucs. Le Parrain, tac. Je commence à aimer. Sinon, ouais, c'est clair, c'est sous ces grands, Robert De Niro, Pacino, Clint Eastwood, Kitano. Des gars qui, tu sens que même ils seraient pas faire du, ils feraient pas du cinéma, ça serait chez, ça serait des grands, tu vois. Et le rêve ça serait un jour de pouvoir être un des grands acteurs comme eux, tu vois, avoir fait que ça a changé du cinéma, tu vois. Avoir des acteurs, tu vois. Ah, j'aimerais bien faire partie de ces grands acteurs, tu vois. T'inscrire dans une histoire. Voilà. Mais après, voilà. Il y en a tellement, des acteurs. Sortir du lot, c'est dur. Hein. En plus, avec leur star system, tout ça. Tu te mets dans un truc, tu bouges plus, hop. Rencontrer les bons rôles. Voilà. Mais ça va, pour l'instant, moi, je me plains pas. Hein. J'ai des bons rôles, tu vois. Là, je suis content de tous les rôles que j'ai faits. Peut-être le téléfilm que je regrette un petit peu. Sinon, tous les autres, là, je suis content. Même Narcos, c'est un petit truc, mais je suis content. Et surtout, Les Diables. C'est sûr que ça, c'est le plus gros pour moi que j'ai fait à présent. Parce qu'à présent, c'est le plus... Parce que pour certains, c'est... pour les gens, ils vont peut-être pas se dire ça, mais moi, je dis, franchement, c'est Les Diables le plus dur. Tu vois. Le plus gros rôle, 63 jours, où j'ai donné le plus, pour l'instant, c'est celui-là. Donc... Moi aussi, j'aimerais bien faire des films, par exemple, où je rigole en permanence dans le film, tu vois, où je suis un mec qui éclate de rire. Et ça, j'ai éclaté en larmes et tout, j'ai déjà fait, mais éclater de rire, j'ai pas encore fait vraiment, tu vois. Il y a des trucs, j'aimerais bien savoir si je suis capable de faire. Plein de choses. Mais j'ai le temps. On verra comment ça se passe. Puis surtout, moi, ce que je fais, c'est entre les tournages, je vais faire du déménagement ou. Tu vois, je fais d'autres trucs, tu vois. Je rigole. Ah, mec. Parce que je me dis, le cinéma, ça peut s'arrêter demain. Alors, ouais. Alors je cherche des métiers à côté, si je suis bon aussi, tu vois. Moi, je fais un coup déménagement, déménageur, un coup, je fais caissier, un coup, je passe maçon, plomberie, je tape tout, tu vois. Puis même dans un film, on peut un jour te demander de faire un plombier, tu vois, au moins je saurais le faire, tu vois. Là, c'est vrai, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que des fois, je me dis ça, je me fais, putain, c'est serait bien que je fasse un petit métier quand entre les tournages, que voilà, qu'ils me fassent que je suis pas que dans le truc de l'acteur cinéma, tu vois. Qu'ils me mettent un peu, parce que c'est un autre monde, le cinéma, quoi. Tu peux tout oublier vite fait, quoi. Donc ça aide à te remettre dans la réalité, quoi. Bien. Voilà. SNSB.
père, il brûle à peine 17 juin 1986, débarquement sur ce globe terrestre, juste un ordi qui fait son séos crédit, autant gâteux, la plume que le mec qui consume, je sais d'où je viens, un mec de l'Est, je sais pas où je vais, là je suis à l'Ouest, ma tête se vide, mais aussitôt vidée, aussitôt remplie avec pour seul objectif, s'en sortir, du moins un minimum, sans pour autant être au sommet, reste absolu, une vie on en a qu'une. Dépourvu parce que je sais qu'il y en a qu'une. Autant militant des temps modernes qui fait connaître ses bases pour de bonnes causes. La arme tombera dans l'urne quand ces putes auront crié vaincu. Reste absolu, une vie en a qu'une. Autant de sang, que de peine dans mes veines, que de peine dans mon cœur. La société m'a fait connaître la haine. C'est que tout de même, y'a un problème, pas de solution. Parfois je